J'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Si tu restes bien jusqu'à la fin, je vais t'offrir un mini atelier où tu pourras qui pourra t'aider à savoir si tu as trop mangé, si tu manges trop. Oui, durant les fêtes, tu as peut-être trop mangé, mais là, en fait, c'est vraiment si tout le temps, tu as tendance à trop manger ou tu as tendance un peu à manger trop, à avoir une assiette trop remplie ou à grignoter au cours de la journée. Donc, c'est vraiment ça, cet atelier est gratuit, tu peux y aller, il est offert. Donc, je t'invite vraiment à aller le télécharger à la fin de la vidéo, bien sûr. Pas mal de choses, il y a des questionnaires, il y a des vidéos, donc je t'invite vraiment à aller voir. Aujourd'hui, je viens de te parler des résolutions, mais avant ça, j'ai envie de te dire, bah, mon absence. Oui, je sais, j'ai été absente. Je suis désolée, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, d'ailleurs, j'ai plus l'habitude. Mais comme vous voyez, le décor est un peu changé. Oui, parce que j'ai fait quelques changements pour que vous me voyez mieux, parce que franchement, les vidéos d'avant, on me voyait pas, je trouvais que je ne ressortais pas. C'est pour ça que j'ai fait une pause. J'ai fait vraiment une pause pour changer mon décor, pour savoir quelle évolution allait avoir ma chaîne. Je tiens à vous remercier de m'avoir soutenue, de regarder mes vidéos. Et cette année, la nouvelle année qui va arriver, il y aura beaucoup plus de vidéos, tout ce qui est alimentation, parce que je sais que c'est ça qui vous plaît, les journées où je vous montre ce que je mange, les journées recettes. Mais là, il n'y aura pas que ça, il y aura des journées, des vlogs diète, même si j'aime pas trop le mot diète, parce que je trouve... C'est à mon régime et moi en fait c'est pas ça que je veux montrer sur ma chaîne. Moi ce que je veux c'est vous montrer qu'on peut avoir une alimentation healthy et je vais vous définir ça dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce que je entends pour healthy et en accord en écoutant ces signaux de faim et de satiété et aussi en arrêtant de manger tes émotions pour atteindre ton point d'équilibre et atteindre ta propre vérité. Bon, après tout ce blabla, commençons par les résolutions. Donc moi en fait les résolutions avant j'adorais ça, j'achetais un planeur dessus tout le temps, un joli planeur, et j'écrivais tout ce que je voulais, comme quoi je voulais perdre du poids, comme chaque année, je pense que tout le monde le dit, tu vas faire beaucoup plus de sport, tu vas aller faire du jogging, bon, quand les salles étaient ouvertes, t'allais beaucoup plus à la salle, tu vas être beaucoup plus assidu, tu vas être plus organisé, toujours plus, et j'en avais au moins deux pages, et à chaque fois, bah, ça durait un mois, voire 2 semaines, pour être honnête, et j'arrêtais en fait, ça marchait pas. Donc, l'année dernière, ce que je m'étais fixé seulement 2 résolutions, mais j'ai plutôt appelé ça des intentions ou des objectifs ou des goals, où en gros, j'ai décidé d'en faire que 2, et en fait, je les ai tenues. Donc, bon, un peu moins que l'autre. Donc, la première était, bah, c'était d'ouvrir mon entreprise, ça a été fait, que j'ai eu des objectifs, j'ai pas obtenu tous les objectifs que je voulais, mais j'ai eu un grand avancement, donc je suis contente. Donc là, je vais continuer à coacher les gens, à aider à ce qu'ils se reconnectent avec leur corps et arrêter de manger leurs émotions. Donc ça, je continue avec ça. Et la deuxième, c'est de prendre soin de moi. Et là, en fait, c'est ça que ça va changer dans ma vidéo. Vous me verrez plus. Vous me verrez plus ce que je mange, quand je fais du sport, parce que j'avais fait une pause pour faire du sport. Mais aussi, en fait, j'ai fait plein d'autres choses. Donc, je vais vous montrer des diet vlogs, quand je mange, des vidéos où je fais des recettes de cuisine pour vous aider à manger bien, mais surtout avoir des idées de recettes. Parce que, bon, là, vu que les restaurants sont fermés, même si on peut commander, ça c'est pas toujours pas mal d'avoir des nouvelles idées. Donc, voilà. Et puis, bah, cette année, mon objectif, c'est de prendre soin de moi et de continuer à développer mon entreprise. Prendre soin de moi, c'est-à-dire atteindre mon poids d'équilibre. Faire du sport plus souvent. Donc, je vais vous montrer des séances de sport. D'ailleurs, c'est prévu dans les prochaines vidéos. Et surtout, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé mes entraînements bas du corps, haut du corps. Donc, je vais les faire sur mon site, mais je vais vous montrer des extraits quand je ferai mes diègues. Donc, voilà. Donc, n'hésite pas à télécharger ton mini guide. Et puis, on se retrouve à une prochaine fois. C'était une petite vidéo, mais ça faisait très longtemps.